Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de Goma. Et comme vous le constatez, nous recevons encore une fois de plus Dr Patrick, que nous disons bonjour, docteur, et bonne arrivée. Bonjour monsieur Justin. Bienvenue encore sur Congo Live TV. Merci. Ce matin, nous revenons sur une question. C'est par rapport, bien sûr, à l'arrivée du Premier ministre Sama Lokonde, attendu cet avant-midi dans la ville de Goma, où il va entamer sa tournée de l'Est. On a appris d'ailleurs qu'il se rendra également dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia. Docteur, peut-être pour commencer d'abord, on peut faire d'abord un clé d'œil par rapport à la situation sécuritaire dans les Rutshuru. Nous avons appris que les M23 ont encore une fois de plus, donc les rebelles se sont retirés dans des villages qu'ils occupaient avant, et ils sont revenus dans des villages où, notamment là où il y a les deux collines stratégiques, Tchanzu et Runyonyi. Ils ont appelé encore une fois de plus au gouvernement congolais d'envisager un dialogue. Pour vous, ça vous dit quoi et pourquoi et comment vous analysez cela? Merci beaucoup pour cette question. Nous suivons de près ce problème, ou ce, je ne dirais pas un feuilleton. C'est une situation qui est en train de nous mettre à mal aujourd'hui. La question du M23, effectivement, ils se sont retirés sans coup de feu. Ça, c'est la force de la diplomatie. Les gens doivent comprendre que cette force négative s'est retirée. C'est grâce à la rencontre du président de la République avec ses homologues de l'Est Africa Community. Donc, le président de la République n'est pas seulement allé ratifier les statuts de l'organisation, mais en même temps, ils ont profité pour qu'il y ait des pourparlers francs, surtout que le président Kagame était sur place. Il fallait trouver des solutions adéquates. Et déjà hier, aux frontières de la RDC de l'Ouganda, au niveau de ces triangles, il y a eu une forte délégation de tous les pays de l'Est Africa Community qui étaient présents pour faire le constat. Sans le Rwanda, c'est la force diplomatique du chef de l'État que nous saluons. Donc, comme je l'ai toujours répété, le Rwanda, à travers Kagame, veut nous amener toujours hors terrain, c'est-à-dire sur un autre ring, un ring d'affrontement, pour créer une nébuleuse, afin qu'on ne trouve pas de solution. La voie que le président de la République est en train d'emprunter, c'est la bonne voie. Aujourd'hui, tous ces pères sont en train de l'accompagner dans cette direction. Et surtout, l'effet d'adhérer dans East Africa Community fait que une des dispositions oblige aux États membres de ne jamais s'attaquer, de ne jamais utiliser leur sol comme des bases arrières contre d'autres pays. Dans ce cas-là, le Rwanda se retrouve maintenant cloisonné et ne sait pas de ranger. Donc la question du M23 sera traitée telle que les lois ont déjà décidé. Les lois font que tous ceux qui veulent rentrer en RDC, qu'ils rentrent, le président de la République a déjà autorisé leur retour, qu'ils rentrent comme des simples civils. C'est lui qui veut faire l'armée, il ne passe que par un centre de formation militaire pour être armé. On ne va plus intégrer qui que ce soit dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, qui viendraient des groupes armés, surtout des forces négatives. Donc si je comprends bien, il y aurait des gens pour parler ou bien alors Kinshasa envisage un dialogue avec l'M23? Non, ça c'est exclu. C'est exclu, il n'y a pas de pourparler. C'est dire, les vrais pourparlers, il faut parler avec Kagame. C'est ce qui s'est fait à Nairobi, c'est parler avec Kagame. Parce que ces gens qui ont été défaits, où est-ce qu'ils trouvent des armes? Ces gens qui ont été défaits, où est-ce qu'ils s'installent pour attaquer le Congo? Mais quand on les frappe, on les voit fuir au Rwanda. Donc le Rwanda est en train de... Le Rwanda ne réagit pas, ne les repousse pas. C'est-à-dire le Rwanda joue à cette malignité. Et l'accusation, elle est simple. Elle n'est pas dire qu'elle est fortuite. C'est une accusation simple qui ne demande pas de grosses formules. Allez apprendre des cours de mathématiques pour comprendre ça. Ces gens ont comme base arrière le Rwanda. Parce que chaque fois qu'ils sont défaits, chaque fois qu'ils sont battus, avant on les a vus lors de Mamadou Ndala, aller vers l'Ouganda et vers le Rwanda. Mais cette fois-ci, on les a vus dans une seule direction, c'était le Rwanda. Et c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'ils se sont encore réorganisés pour revenir. C'est pourquoi le président de la République en profitait lors de cette rencontre importante
pour mettre la carte sur table. Et vous avez vu, même à travers les images sur le plan diplomatique, le président de la République n'a pas serré la main au président Kagame. En matière diplomatique, c'est un message fort pour dire que je ne veux plus de toi, je ne veux pas de toi. Ce que tu fais, tu joues derrière mon dos en diplomatie. On a vu les accolades très accentuées avec le président Kenya, mais... il a salué Kagame à distance. C'est un message fort sur le plan diplomatique. Après cette rencontre, il y a eu de pourparlers. Voilà déjà que tous les pays maintenant s'impliquent pour qu'on ait la paix. Parce que notre souci, notre objectif, je l'ai toujours répété, ce n'est rien d'autre que la paix à l'est de la République. Pas des accolades entre Félix Tshisekedi et Kagame. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à la fin ou bien que nous tendons vers la paix, voilà, entre la relation Tshisekedi et Kagame? Pas dire la relation Tshisekedi Kagame, c'est-à-dire nous tendons vers la fin de l'hypocrisie diplomatique de Kagame. C'est dire aujourd'hui, Kagame est mis à nu. On peut comprendre par tous ses pairs, qu'ils soient du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, Sud-Soudan, tout le monde se rencontre réellement au petit jeu que M. Kagame était en train de faire. Aujourd'hui qu'il est cloisonné, il peut renoncer à ce qu'il est en train de faire avant. Moi, je peux dire que c'est le début du commencement de la paix. Le début du commencement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord, pour finir peut-être ce chapitre, nous avons vu dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, nous voyons des militaires FARDC arrêtés par les M23. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on voit, entre guillemets, les porte-paroles, les majors du M23, donc leurs porte-paroles, qui demandent à ces militaires de se présenter. Il y a les militaires qui essaient un peu de déplorer leurs conditions de vie dans lesquelles ils vivent, ils traversent au CDF, FARDC. Ça vous dit quoi? C'est là parce que pour certains, le M23 tente de manipuler le monde, les Congolais, en utilisant ces militaires arrêtés pour qu'ils disent la situation, les conditions dans lesquelles ils sont traités au CDFRDC. Ça vous dit quoi en tant que Congolais? Oui, c'est ce qu'on appelle la manipulation de l'opinion publique. C'est de la manipulation de l'opinion. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Je pense que l'M23 avait combattu. Ils sont arrivés ici dans la ville de Goma. Vous savez comment est-ce que la population avait réagi face à ce groupe. Et ils ne pensent pas qu'en manipulant comme ça que nous allons les aimer. Ils sont les mal aimés. Nous n'avons pas besoin de coups de feu ici. Nous voulons la paix. Ceux qui sont Congolais, qui rentrent au Congo paisiblement, qu'ils vivent comme les autres, qui étaient déjà rentrés. On n'a tué personne, on n'a arrêté personne. Il y a une amnistie qui a été accordée, malgré que nous étions tous contre cette amnistie. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de raison pour manipuler l'armée. Il est vrai que notre armée n'est pas au paroxysme en termes de conditions sociales, mais nos militaires se suffisent de ce qu'ils ont. Ils sont fiers d'être Congolais, de se battre pour le Congo. Nous avons suivi cette vidéo. On a trouvé les gens venant du Kasaï, les gens venant de l'Équateur, de Bandundu, mais qui se sont sacrifiés pour le pays. Donc c'est une prise en otage. Et je sais qu'en matière de guerre, ça ne se fait jamais. C'est une violation d'abord de principes de guerre. Là, ils ont violé parce que du côté Congo, il y a plusieurs M23 qui ont été arrêtés, tués, tout ça. Jamais les FARDC n'ont publié de telles images. Par respect des principes de guerre. Il y a des lois de guerre sur la guerre. Là, c'est une violation, c'est une manipulation. Et ce que nos militaires, dans cette vidéo, sont en train de raconter, ce sont les mots mis dans leur bouche pour décourager notre armée. Voilà l'objectif, c'est décourager nos militaires pour qu'ils ne se battent pas. C'est décourager la population pour créer un divorce entre la population et l'armée. Nous connaissons tous ces jeux-là et les Congolais sont prêts à pouvoir soutenir toujours leur armée. Nous leur demander d'être toujours derrière les FARDC, d'être derrière le gouvernement de la République et le président de la République Fatou Béton, pour qu'on en finisse une fois pour toutes. S'ils ont pour pays le Congo, qui dépose les armes, s'ils veulent faire l'armée, qu'ils entrent dans des centres de formation, si c'est à Kito, Nakota, Kolia, Efo, Kananga, qu'ils aillent en formation normale
plus question de la rébellion dans l'armée, comme on ramassait des gens qui sont des généraux qui ne savent ni écrire, ni lire. Ce sont des conséquences que nous avons aujourd'hui. Cette question est déjà finie, on ne peut plus y revenir. Peut-être, docteur, dans moins d'une minute, parlons un peu de cette actualité qui nous vient de Massissi. Certainement, ce matin, il y a un calme observé dans les Rutshuru, mais on nous a signalé qu'une partie du village de Nyabiondo, nous sommes dans les territoires de Massissi, et en fait depuis les débuts de la soirée d'hier dimanche, nos sources sur place renseignent que des armes, disons des lourds affrontements ont opposé les FARDC, donc les forces armées de la RDC, au mouvement rebelle AP Céleste, en coalition avec NDC, l'Induma, qui s'affrontent, qui se sont affrontés en tout cas hier soir. On nous signale également qu'il y a un déplacement massif de la population. Qu'est-ce qui se passe dans les Rutshuru aussi? Non, le problème, ce sont les groupes armés qui doivent déposer des armes. Alors, il y a plusieurs groupes armés qui ne veulent pas déposer des armes pour des raisons qui sont les leurs. Par exemple, quand je prends Massissi, l'Induma Defense of Congo, ça vient de Walikale, n'est-ce pas? Le truc qui était Tcheka, maintenant c'est Guidon qui a ça. Cette coalition, pour dire qu'eux se battent contre la présence rwandaise, c'est ça leur raison, les FDLR qui se retrouvent dans la zone depuis un certain temps. Mais des fois, ça nous dépasse quand on les voit encore se retourner contre les FARDC. Des fois, ils ont fait une coalition. Une coalition, AP Céleste, les positions des FARDC. Pour attaquer les positions des FARDC. Souvent, ça nous donne... on ne comprend pas cette ambiguïté. Si réellement, ils sont là pour défendre les intérêts des compatriotes de Massissi et de Walikale, je pense qu'ils auront pu faire cette coalition dans le temps, quand il y avait encore cette anarchie. Ils auront pu faire cette coalition derrière les FARDC, derrière le peuple congolais, pour chasser les FDLR qui sont une force négative qui doit rentrer au Rwanda. Mais malheureusement, on les voit jouer au chaud et au froid au même moment. On ne parvient pas à comprendre. Peut-être laissant le temps au temps, les investigations qui auraient, qu'on comprenne comment est-ce qu'ils peuvent s'attaquer aux forces loyalistes. Et quand on s'attaque aux forces loyalistes, moi je pense que le pouvoir ne doit pas avoir pitié. Que la rigueur de la loi soit appliquée. D'accord. Sama, le Congo, le premier ministre congolais, accompagné d'une forte délégation des ministres, sont attendus cet avant-midi à Goma. Aujourd'hui, nous sommes lundi, mais dans un communiqué que nous avons consulté hier dimanche, c'était prévu que cette délégation soit là dimanche 10 avril, mais aujourd'hui, nous apprenons que ils seront maintenant là aujourd'hui lundi. Le Premier ministre et cette délégation viennent faire quoi? Et qu'est-ce que la population du Nord qui vous de l'Est, parce que c'est une tournée dans l'Est, qu'est-ce que la population peut attendre encore une fois de plus de cette visite du Premier ministre? Oui, le Premier ministre, je crois, quand j'ai lu l'ordre de mission, il y a cette question d'abord, faire le constat sur la situation du M23. Il y a aussi l'évaluation sur l'état de siège, donc se rendre compte des avancées. Et nous sommes parmi ceux-là, et je pense que nous sommes le premier à lui avoir déposé un mémorandum, même aux autres autorités nationales, quant à la situation sécuritaire au Nord Kivu, lors de notre passage à Kinshasa. C'était pour dire, bien sûr, que nous avions demandé, en tant qu'Union sacrée au Nord Kivu, nous avions demandé l'état de siège. Cet état de siège est arrivé. Il y a eu de force, et effectivement, il y a eu aussi des failles, surtout dans la mesure où l'état de siège a eu un temps de prolongation, je ne dirais pas exagéré, mais plus long. Ce temps était tellement plus long, ça fait en sorte qu'il y a eu un certain relâchement, une certaine relaxation dans les faits. Vous voyez les phénomènes 40 voleurs revenir, on voit les APCL s'élever ici, les Ndouma s'élever là-bas, les M23 revenir. C'est dire, aujourd'hui nous devons reconnaître que l'état de siège
siège a montré ses limites. Je crois il y a deux mois que nous avions proposé que l'on passe, qu'on quitte l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire. C'est nous qui étions le premier à monter au créneau pour dire qu'on ne peut pas quitter de l'état de siège directement vers un état normal. Nous devons passer par l'état d'urgence sécuritaire, c'est-à-dire le pouvoir civil revient, mais que les sites à problème, par exemple Lubero, Beni, territoire Rutshuru, Masisi, soit sous l'adoption militaire, mais pas les mêmes militaires, qui aient d'autres chaînes de commandement, n'est-ce pas? Parce que le problème, ce n'est pas un problème de troupes, souvent ce sont le problème de chefs. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc on met l'accent sur les commandements, la chaîne de commandement. Un équipement assidu, que le travail des DDRC travaille déjà rapidement. Et en ce moment-là, nous pouvons rentrer dans une phase normale. Je pense pour que le Premier ministre puisse prendre cette décision, parce que c'est une décision qui revient à la haute hiérarchie, premièrement le président de la République, parce que le Premier ministre va soumettre ça au président de la République pour lancer une autre ordonnance instaurant l'état d'urgence sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, l'état de siège a montré pas seulement ses limites. Vous allez trouver qu'aujourd'hui, qu'on a un commandement qui réunit l'armée rwandaise et l'armée congolaise à Beni. Il y a un autre commandement là-bas. L'armée ougandaise plutôt. L'armée ougandaise et l'armée plutôt, excusez-moi. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise plutôt congolaise à Beni, qui est chapeautée par un commandement qui dépend directement de l'état-major et du chef de l'état. Le gouverneur aussi avec l'état de siège, c'est un commandement à part. C'est déjà un signe de la fin de l'état de siège. Il y a un deuxième signe, c'est le fait de pouvoir libéraliser aujourd'hui la justice. Il y a des infractions maintenant qui seront gérées au niveau de juridiction civile. C'est dire la quintessence ou la substance de l'état de siège qui est exclusivement militaire s'arrête. C'est dire en ce moment-là, ce seraient les civils et les militaires. C'est dire la substance ou l'essence profonde de l'état de siège est perdue. Donc là, nous entrons déjà dans un état d'urgence sécuritaire qui oblige à ce qu'on change de fusil d'épaule. Mais au-delà des limites manifestées par l'état de siège, quand même, il y a eu quelques avancées significatives. Il y a plusieurs avancées. Nous saluons. Il y a eu plusieurs éditions d'abord. Il y a cette opération, ce programme de mobilisation, de réinsertion des mobilisés qui a déjà commencé. Plusieurs jeunes se sont rendus. Ça, ce sont des faits positifs. On a vu, par exemple, avec les couvre-feux à gauche et à droite, plusieurs armes récupérées dans des maisons des gens. Plusieurs bandits ont été arrêtés dans la ville de Goma. On a vu plusieurs routes réouvertes. C'est là où on peut... Oui, oui, plusieurs plans de développement. Il y a eu de trafic fluide à un certain moment. Mais c'est grâce aussi à l'état des sièges qu'on a pu maintenant détecter avec précision qui sont ceux-là qui sont dans nos services de défense et de sécurité qui trahissent, n'est-ce pas, la République. On a mis la main dessus sur plusieurs hauts officiers qui ont été arrêtés, que ce soit dans les services de renseignement, services de sécurité, services de défense. Ça, c'est grâce à l'état des sièges. C'est grâce à l'état des sièges qu'on a découvert les complicités de nous-mêmes, population. Certains de nos compatriotes se sont retrouvés, chefs de village, c'est pas chef des quartiers, tout ça impliqué dans ces phénomènes. Et c'est grâce à l'état de siège qu'on a arrêté ce mouvement des bombes artisanales qu'on était en train déjà de lancer comme un nouveau mode opératoire, que ça a été maîtrisé, c'est grâce à l'état de siège. Mais il y a aussi beaucoup de faiblesses que nous avons décriées. C'était surtout la justice. La justice militaire pendant l'état de siège devait normalement mettre la main sur tous ceux-là que nous considérons comme étant des complices, mais qui vivent aisément. Et qu'il n'y a pas eu réparation. Il y a eu beaucoup de victimes qui n'ont pas eu de réparation et qui voient leur bourreau en train de vivre à l'aise. Alors pour finir, docteur, peut-être la dernière question. Nous le savons tous que ce n'est pas en tout cas la première visite du Premier ministre ici à Goma, au Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on peut espérer après son passage? Est-ce que pensez-vous que ça va apporter quelque chose? Ça va changer quoi selon vous
après le passage du Premier ministre, parce que c'est pas en tout cas la première visite, et ça il faut le rappeler. Le changement qu'on peut attendre du Premier ministre ne viendra pas du Premier ministre, mais de nous. De nous, c'est-à-dire lors de son passage, profitons-en. N'est-ce pas? Nous, en tant que politique, bon, on sera reçu, que la société civile soit reçue, que les chefs coutumiers soient reçus, que les chefs de localité, les gens qui vivent réellement. Parce que le mal congolais est que les solutions nous viennent de Kinshasa, mais qui ne sont pas commodes, qui ne sont pas adéquates aux réalités de terrain. Donc, nous aimerions que les solutions viennent du terrain. C'est dire que le Premier ministre, durant son séjour ici, je pense que c'est de 5 jours, parce qu'il sera ici, il sera aussi à Bounia, en Ituri, il faudrait que nous lui fassions voir réellement ce qui se passe. En termes de la sécurité, il faudrait qu'on mette l'accent sur la police. Doter des moyens adéquats à cette police. Cette police n'a pas de moyens en termes de logistique. Cette police a des problèmes d'autres administratifs parce qu'on a des policiers qui ne sont pas policiers, qui se retrouvent dans les rangs des policiers. Il faudrait que cette question soit traitée. Ce sont ces policiers-là qu'on pense être policiers, qui n'ont pas été formés, qui se retrouvent dans des rues et qui tracassent la population. Il faudrait que cette question soit résolue le plus rapidement possible, qu'on détermine qui est policier et qui ne l'est pas. C'est la même chose au sein aussi des forces armées. Si on ne parvient pas à résoudre de telles questions, ça va nous apporter beaucoup de problèmes. Il y a par exemple les chefs, comment est-ce qu'on les appelle, de base, les chefs des quartiers et tout ça, ce sont des sources d'informations, des bons renseignements, mais il faudra leur doter de moyens pour leur permettre de pouvoir travailler, de pouvoir déterminer et connaître qui est de Goma et qui n'est pas de Goma. Aujourd'hui, on a un problème d'un flux migratoire qui est incontrôlé. Il faudrait qu'un travail sérieux par rapport à ça, on sache qui et de Goma, il vient d'où, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce travail doit être déjà fait en matière de sécurité. Et ce que nous demandons, c'est cet état d'urgence sécuritaire le plus rapidement possible et qu'on permette maintenant à ce que cette paix soit totalement assise, que les gens vaquent facilement à leurs occupations. Okay. Je pense que c'est nous qui devons lui donner des propositions. S'il va en dehors de cela, là ça devient très compliqué. Nous pensons qu'il est Premier ministre, il est venu plus pour écouter et appliquer ce que nous aurons à lui demander et que la justice fasse totalement et réellement son travail. Merci beaucoup docteur Patrick Barland d'avoir en tout cas répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Docteur Patrick Bala, il est en exclusivité sur Congo Live en direct de Goma. Mesdames et messieurs, nous sommes revenus sur la situation sécuritaire dans les Rutshuru, où je vous signale qu'un calme en tout cas relatif est observé depuis hier dimanche soir. C'est seulement ce matin que nous avons appris également les affrontements, des violents affrontements qui se passent à ce net moment d'ailleurs dans les Masisi où des groupes rebelles, notamment l'APCLS et les NDC rénovés en coalition. Donc, APCLS et NDC se sont affrontés au FRDC. Donc, les deux mouvements ont attaqué en tout cas plusieurs positions des FRDC, mais nous apprenons que la situation est sous contrôle. Il y a les FRDC qui ont fait tout pour riposter et tout se passe bien ce matin. Nous sommes également revenus sur l'arrivée du Premier ministre qui est attendu ce matin à Goma. Merci, docteur, d'avoir répondu à nos questions, parce que je rappelle bien que vous êtes de l'Union Sacrée. Tout à fait. Au niveau du Nord Kivu. Tout à fait, tout à fait. Je suis le président du Conseil des Sages, donc le coordonnateur provincial honoraire de l'Union Sacrée au Nord Kivu. C'est moi qui vous remercie, Congo Live TV, une grande chaîne qui émerge. L'Union Sacrée au Nord Kivu, toujours derrière le président Félix. Non, Fatih Béton, c'est ça notre référence, nous le soutenons. Et d'ailleurs, tout de suite, là, nous allons à l'aéroport accueillir toute cette grande délégation. Vous serez avec nous, vous allez voir comment nous allons confirmer l'Union Sacrée au Nord Kivu. C'est nous qui avons le monopole de l'Union Sacrée au Nord Kivu en tant que combattants, les vieux combattants, parce qu'avec le président Félix, on a combattu des années pour qu'on arrive au pouvoir. Nous pensons que c'est notre pouvoir, nous sommes obligés de l'accompagner pour des résultats escomptés au profit du peuple congolais. Merci. Fin de cette interview, nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Si vous avez aimé en tout cas l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous surtout sur notre chaîne Congo Live Télévision. Nous vous disons bye bye.